J'ai demandé à ce qu'on puisse commencer à 13h, vu le programme qu'il y aura. Parce que, d'abord, un, ce n'est pas vraiment un mariage, c'est juste un renouvellement de vœux. Et qu'il souhaiterait que ça puisse se passer ici à l'église. Je pense que bon, vous avez été contacté pour l'organisation et tout. Et j'ai dit, bon, comme c'est juste un renouvellement de vœux, il faudrait quand même, hein, parce que bon, quand il y a un mariage, bon, on essaye de juste peut-être faire la cérémonie de mariage et puis, bon, laisser les gens partir et tout. J'ai demandé à ce que, en faisant le programme, qu'on puisse me donner le temps de pouvoir apporter la parole. Et donc, je pensais ce jour-là, effectivement, parler du mariage, mais pas vraiment du mariage comme pour dire, bon, quand vous devez vous marier, voici, vous devez faire ci et ça, comment il faut faire, comment entrer dans le mariage et tout cela. Mais nous allons parler de ceux qui sont déjà dans le mariage, parce que Frère Didier et Sœur Joël, ça fait 15 ans, donc ils sont déjà dans le mariage. Et. Par la grâce de Dieu, je parlerai du vœu sacré de mariage. Ça sera le thème dont on va essayer de développer pendant peut-être une heure ou peut-être une demi-heure, je ne sais pas. On parlera du vœu sacré de mariage. Vous attendez souvent les gens dire, c'est un faux vœu. Bon, on va essayer de voir quel est le faux vœu, quel est le vrai vœu et le vœu c'est quoi. La valeur de vœu, je dis bien la valeur de vœu, quand vous faites un vœu, hein, il faut connaître la valeur du vœu.
si on ne connaît pas la valeur du vœu qu'on fait, c'est là qu'on brise les vœux comme on veut, on ne prend pas la vraie valeur de cela. On pense que c'est des mots juste, et puis on vient se présenter devant les gens, et puis demain, non, c'était un faux vœu. Donc ça, on va voir, hein, par la grâce de Dieu, hein, comment, qu'est-ce que c'est un vœu, pourquoi les vœux est appelé les vœux sacrés du mariage. Le mot sacré, c'est quoi? Le mot vœu, c'est quoi? La durée de vœux et tout ça, par la grâce de Dieu, on va essayer de voir. Hein, donc, on commencera à 13h. À 13h, donc 13h, la demi-heure de silence. Et puis les chants, et puis disons 14h, comme ça, je viens pour dire ce que Dieu aura mis dans mon cœur. Et puis, peut-être vers 16h30. 16h, je vais peut-être finir, 16h30, bon, on sort et puis faire le reste qu'il y aura à faire. Donc pour samedi, hein, j'aurais bien voulu que ce jour, pour
peu dans ce centre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Amen. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Et tout sera peur, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Hébreux le chapitre 6. C'est pourquoi, le verset 1, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Vous asseoir. Ok. Ce matin, je vais essayer de parler à l'épouse. Amen. Amen. Frère Nandi, à l'ouverture du septième sceau, nous ne lisons plus la Bible comme autrefois. C'est que nous lisons la Bible avec les lunettes du prophète. Amen. Au cours des âges, il y avait une manière qu'on lisait la Bible. À l'ouverture de la parole, il y a une autre manière aussi que nous lisons la Bible. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et remarquez, Frère Branham nous a enseigné quelque chose. Il a dit, pour ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, vous devrez remplir cinq conditions. Madame dit, tu peux être un homme sincère qui va à la prière, qui prie, qui jeûne. Mais il faut remplir les cinq conditions. Amen. Pour ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Et les cinq conditions, le prophète dit, vous devrez connaître le temps. Amen. La saison, le programme, Amen. Cela doit être en rapport avec la parole. Amen. Et ça doit être la personne appropriée pour l'accomplir. Amen. Voilà les cinq conditions à remplir pour ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Parce que nous voyons le roi David, il avait rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. L'idée était bonne, mais ce n'était pas la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a cinq conditions qu'on doit remplir pour ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et Frère Branham dit, Dieu c'est un Dieu de temps, c'est un Dieu de saison, c'est un Dieu d'époque, c'est un Dieu de jour. Par conséquent, vous devrez connaître le jour, vous devez connaître la saison. Qui peut dire amen à cela? Quand c'est l'hiver ici, alors vous changez même la manière de s'habiller. Parce que la saison a changé. Même dans les magasins, on commence à vous vendre les habits appropriés pour l'hiver. Parce que c'est le temps où on doit bien se couvrir. Qui peut dire amen à cela? Maintenant, si toi tu viens, tu te dis non, moi je veux m'habiller comme au temps de l'été, alors tu vas mourir. Parce que tu n'as pas saisi la saison. Qui peut dire amen à cela? Parce que Dieu, c'est un Dieu de saison. C'est un Dieu d'époque. Frère Branham dit, Dieu c'est un Dieu d'exode. Il y a eu le premier exode avec Moïse. Deuxième exode avec Jésus. Troisième exode avec William Branham. Et Frère Branham dit, il y a trois testaments. Le premier testament et le deuxième testament, c'est l'ombre de ses jours. Il dit que je vais essayer de parler à l'épouse ce matin. Vous êtes avec moi? C'est le jour le plus glorieux. Vous allez remarquer, Dieu, quand il a créé dans la Genèse, il n'a pas créé les animaux et les poissons le même jour.
Chaque jour, il y avait une œuvre que Dieu était en train de faire. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand il a créé les étoiles, les luminaires, c'était un autre jour. Quand il a créé aussi l'homme, c'est aussi un autre jour. Donc Dieu, c'est un Dieu des jours. Et chaque jour, il ne fait pas la même chose. Dans la semaine, c'est comme aujourd'hui. Dans votre pays ici, c'est le jour sans voiture. Maintenant, si toi, tu n'avais pas l'information, tu vas commencer à rouler avec la voiture, alors on peut t'arrêter. Parce que tu n'es pas à jour. Parce que tu n'as pas connu ton jour. Vous êtes avec moi? Donc Dieu, c'est un Dieu des jours, un Dieu d'époque, un Dieu des saisons. Alléluia. Un Dieu d'exode. On a mis des milliers adorent Satan sans le savoir. Ils vont à l'église, mais ils adorent Satan parce qu'ils sont dans un autre jour. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la saison et l'époque qu'ils sont en train de vivre. Qui peut dire amen à cela? Remarquez, c'était l'apôtre Paul. Il était en train de minimiser le jour de Moïse. C'est grave. L'apôtre Paul, quand il a saisi son jour, il a compris dans quel jour que lui, il vivait. Il n'a pas vu le miracle de Moïse. Il n'a pas vu le traverseur de la mer Rouge. Il n'a pas vu parce que la manne est tombée du ciel. Il vient à la chair, il dit, si le ministère de la mort, il appelle le ministère de Moïse, le ministère de la mort. Ce n'était pas facile à prêcher à cette époque-là. Parce que la Bible dit dans chaque synagogue, on prêchait Moïse. Cela veut dire Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a fait. Mais quand l'apôtre Paul vient, il lui dit non. Le ministère de Moïse là que vous parlez, c'est le ministère de la condamnation. C'est le ministère de la mort. Il lui dit ceci. Si son ministère était glorieux, à combien plus forte mon ministère à moi? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul connaissait bien son jour. Mais en regardant entre Moïse et Paul, qui a fait plus de miracles? C'est Moïse. Mais l'apôtre Paul, connaissant son jour, il vient et il déclare, alléluia, si le ministère de la condamnation a été glorieux, à combien plus fort le ministère de l'Esprit? Il dit, ça c'est le ministère de la mort. Frère, s'il y avait des vieux pharisiens, des sacrificateurs, ceux qui lisaient Moïse dans l'église, ils pouvaient déchirer même les habits. Ils vont dire, mais le garçon là, c'est un orgueilleux. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Donc lui, il est plus que Moïse. Oui, parce que Paul était sous cette alliance-là. Paul n'a pas regardé ce que Moïse a fait. Mais il a regardé sous quelle alliance il se trouve. Paul connaissait son jour. En connaissant son jour, alléluia, il vient à son église et il dit, nous prêchons la sagesse mystérieuse, cachée de tous les temps, que Dieu a révélée à nous. Il déclare encore, je prêche parmi les parfaits. Les gens disent, mais Paul, c'est quoi? Il continue, il dit, si un ange vient vous dire le contraire de ce que moi, Paul, j'ai dit, pas ce que Moïse a dit, mais ce que moi, j'ai dit, alors qu'il soit maudit. Les gens de ces jours-là trouvaient que Paul était orgueilleux. Les gens de ce jour-là voyaient que Paul blasphémait. Mais l'apôtre Paul connaissait dans quel jour qu'il vivait. Qui peut dire amen à cela? Je prêche parmi les parfums. Tellement qu'il courait trop vite. Dieu lui dit, hey, Paul, arrête-toi. Ce n'est pas la fin de la course. Il dit, Paul vient ici. Paul est rentré dans le troisième ciel. Alors il a vu, on lui a ouvert le rideau. Il pouvait voir un homme rentrer dans la nuée. Amen, amen. Quand Paul redescend, dit, l'église, on vérifie la doctrine. Il dit, nous connaissons en partie. Amen, amen. Nous prophétisons en partie. Amen. Quand le parfait, alléluia. Amen. Quand le parfait viendra, amen, alors le parfait disparaîtra. Amen. Paul pouvait dire, alléluia, amen, nous regardons par un miroir. Mais en ce jour-là, nous nous verrons face à face. Qui peut dire amen à cela? L'apôtre Paul a compris, alléluia, que son jour n'était pas le jour le plus glorieux. Je dis à Paul, Paul, fais attention, tu cours trop vite. Et Paul, quand il descend, il dit,
Je cours pour atteindre. Je cours vers ma vocation céleste. Comme Branham arrive, il dit c'est la fin de la course. Paul courait, mais Branham dit c'est la fin. Paul, alléluia, pensait que son jour était plus glorieux. Mais Dieu lui dit, fais attention Paul. C'est pour cela, frère Branham a prêché comme Paul. Mais Paul n'a pas prêché comme Branham. Paul ne pouvait même pas toucher de ses doigts le septième somme. Mais Branham a prêché comme Paul. Qui peut dire amen à cela? Dieu montra à Paul le jour le plus glorieux de tous les jours. Et Paul a revisé sa doctrine. Quand il descend, il dit, église, je courais trop vite. L'église, je pensais que c'était la fin de la course. Je pensais qu'on prêchait la sagesse mystérieuse cachée. Mais je vous en supplie, l'église, doucement. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Oh, qui peut dire amen à cela? Alors l'apôtre Paul, amen, pouvait dire, alléluia, en ces jours-là, le jour de la perfection, j'aspire, alléluia, je suis en train d'espérer à la chose, je suis en train d'attendre la perfection. C'est que le jour de Paul, ce n'était pas le jour le plus glorieux. C'est pour cela, remarquez, frère. Ah, ça, vraiment, c'est... Paul dit, après avoir saisi la vision, quand il descend, il dit, dans Hébreux 6, et nous allons interpréter avec frère Branham, il dit, laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ. Tendant à ce qui est parfait. Paul, dans Hébreux 6, il dit, laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ. Comment il a marché sur les eaux. Comment il était né d'une vierge. Comment il a multiplié les pains. Je vous ai prêché ça, mais je vous dis, ce n'est pas ça la perfection. Paul dit, laissons ces choses-là. Ce que Paul a compris plus par rapport au prédicateur, même au temps de la fin. Et je veux lire frère Branham. Frère Branham a dit, quand l'apôtre Paul parlait, il parlait, alléluia, amen, au sujet même de la divinité de amen. Jésus. Amen. Il dit, laissons ça. Même si vous prêcherez Dieu dans Jésus, Dieu dans Jésus, il a marché, il a changé l'eau en vin. Vous avez chanté à peine là la perfection. Je voudrais atteindre la perfection. La perfection, ce n'est pas ça. Paul dit, laissons cela. Je vais lire frère Branham. Dans Hébreux 6, vous savez, quand l'apôtre Paul vient, il vient rabaisser le ministère de Moïse. Il s'établit. Il commence à prêcher son message. Quand Dieu lui montre le temps de la fin, il lui ouvre les rideaux. Il pouvait voir un homme créer les écureuils. Quand il redescend, il dit, ah, donc ce que nous prêchons là, ce n'est pas ça. Le problème, c'est le livre, ce n'est pas la croix. Alors, quand il a compris la vision, alors il pouvait dire, laissons ces éléments élémentaires. Tendons à ce qui est parfait. Croyez-vous, prophète? J'ai appris à l'église, quand Branham parle, on se met au garde à vous. Dans les Hébreux, écoutez, écoutez. Dans les Hébreux. Hébreux chapitre 5 et 6, paragraphe 77. Prenons paragraphe 80. Dit, oh, oui, nous avons la parole de Christ. Nous croyons qu'il est fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge. Là, il interprète Hébreux chapitre 5 et 6. Écoutez. Nous croyons cela, ainsi que toutes ces autres choses. C'est vraiment merveilleux. Mais laissons cela, tendons vers la perfection. Je reprends la citation là. Oh oui, nous avons la parole de Christ. Nous croyons qu'il est fils de Dieu. Qu'il est né d'une vierge. Nous croyons cela. Ainsi que toutes ces autres choses. C'est vraiment merveilleux. Ce n'est pas mauvais, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais laissons cela.
tendons vers la perfection. Oh là là, je souhaiterais avoir la voix d'un archange maintenant pour amener ceci à un point, au point vous pourriez le voir. Bien, il dit, Paul, laissons tout l'enseignement de Christ. Toutes les théologies, toute la théologie sur que nous connaissons, tout au sujet de la divinité de Christ. Comment il était Dieu fait chair. Toutes ces autres choses. C'est Frère Branham qui dit, il est en train d'interpréter Hébreux chapitre 6. Cela veut dire qu'il en doit laisser ces choses. Si longtemps on continuera à prêcher ça, il n'y a pas la perfection. Parce que Paul dit lui-même qui était dans son jour, qui avait saisi son jour. Il a reconnu dans Hébreux 6. Et Frère Branham, étant le prophète, l'interprète divin de la parole, il vient nous interpréter Hébreux 6. Il dit même au sujet de la divinité. Comment il était né d'une vierge. Il dit, toutes ces choses-là, mettons-nous vers la perfection. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Ce que l'apôtre Paul avait compris, que son jour n'était pas le jour de la fin de la course. Frère Branham dit ceci, regardez même la femme cananéenne. Elle était derrière Jésus. Oh, fils de David, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Jésus est miséricordieux. Jésus est compatissant. Mais il n'a pas regardé. Parce que la femme-là ne connaissait pas dans quel jour qu'il était. Amen. Jésus n'était pas le fils de David dans ces jours-là. Amen. Et la femme était en train de crier, ne connaissons pas le jour. C'était le jour du fils de l'homme. Mais elle criait, fils de David. Jésus marchait. Mais pour regarder la femme, il fallait que Pierre puisse dire, maître, mais regarde la femme là. C'est là où j'ai compris. Ce n'est pas le fait de prier. Ça c'est Jésus. Mais Jésus n'a pas regardé parce qu'il n'était pas le fils de David. Il fallait connaître dans quel jour il s'est vu, il était. Toutes les églises, Jésus. Et quel Jésus? Dans quel jour? C'est là Frère Branham dit. Qui peut dire amen à cela? Jésus sur la terre, il s'appelait Rédempteur. Après sa mort, son ensevelissement, il a reçu un nouveau nom. Il dit, cela sera révélé dans les tonnerres. C'est pourquoi il crie. Il met son rapport avec la prière. Et c'est pour cela qu'il crie, il ne reçoit pas. Gloire à Dieu. Ça que Dieu ne peut qu'écouter les prières des tonnerres. Et il faut comprendre que c'est quel est cet tonnerre. Qui peut dire amen à cela? Frère Branham, il était rédempteur. Comme autrefois, la femme l'appela fils de David. Il était fils de l'homme. À cause de les, alléluia, des cris de la femme, Jésus n'a pas regardé. Il n'a pas fait attention. Même si quelqu'un fils de Dieu, zéro. Tu dois connaître dans quel jour il se trouve. Or, remarquez, il était médiateur dans les âges de l'église. Rédempteur sur la terre. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, il reçoit un nouveau nom. Frère Branham a dit, ce nouveau-là, ce n'est pas Pierre, André, Jacques. Ce n'est ni Branham, ni Jésus. Mais il change de forme. Il est autrefois l'agneau. Mais quand il prend le livre, il change. Il devient le lion de la tribu de Judas. C'est pour cela que quand je dois prier, je dois prier l'agneau. Parce qu'il n'est pas l'agneau, il est le lion. Dans l'Apocalypse, il n'a pas beulé comme un agneau, mais il a rougi comme un lion. Il était l'agneau, alléluia, quand il était sur le trône en train d'intercéder. Mais quand il prend le livre, il change automatiquement. Il devient le lion. Et Branham a dit, quand on a vu la nuit, il dit, on a photographié les sept tonnerres. Et qu'est-ce que les sept tonnerres? Ce sont les sept voix des sept messagers qui se rassemblent, qui forment une seule voix, qui est Christ, incarné dans William Branham. Alors c'est ça les sept tonnerres. Quand je vois Frère Branham, c'est ça les sept tonnerres. Dans la
dispensation du lion. Gloire à Dieu sur la terre. Dans la dispensation de la perfection. C'est pour cela dans les dents de Satan. Frère Manam dit, nombreux adorent Satan. Gloire à Dieu. Ils adorent Satan. Comme cette femme priait Jésus, mais qui n'a pas reçu. Parce qu'elle ne connaissait pas dans quel jour. Qui peut dire amen à cela? Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. Retenez une chose. Chaque jour que Dieu créait, il faisait une œuvre. Il n'a pas créé le poisson le même jour que les animaux. Les arbres, ce n'était pas le même jour que les étoiles et le soleil. Et Frère Madame dit, l'homme, c'est la pierre de fête de la création. Or, dans chaque jour, il y a une œuvre. Il y a une œuvre dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un jour. Il y a une autre œuvre dans le Nouveau Testament. C'est un autre jour. Frère Branham a dit, nous avons eu la loi, la grâce, la dispensation maintenant du Saint-Esprit. Voilà les jours. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Remarquez, frère. Or Jésus, il était mort à la croix pour l'humanité. Qui peut dire amen à cela? Amen. Il a marché sur les eaux. Il a changé l'eau en vin. Il a fait toutes ces choses. Mais l'apôtre Paul dit, laissons ces choses. Élémentaire, tendons à ce qui est parfait. Amen. C'est là où frère Branham dit, être sauvé c'est autre chose. Amen. Être enlevé c'est autre chose. Amen. Dans son message, il y a un message. Amen. Dans l'église, il y a une épouse. Amen. Le premier, deuxième poule, ce n'est pas le message. Amen. Là, Dieu est en train d'attirer les gens par les miracles. Amen. Mais le troisième poule, c'est un homme qui crée les écureuils. Amen. C'est ça le message. Amen. Oh, qui peut dire amen à cela? Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. C'est là où maintenant on rentre dans le message. Oh Dieu, merci. Oh, wow. Lisons, frère Branham. Amen. Amen. Premier saut. Écoutez. Et Jésus, son nom sur terre, 283. Premier saut. Et Jésus, son nom sur terre, virgule, c'était rédempteur. Jésus. Point. Quand il était sur la terre, il était le rédempteur. C'est vrai. Et une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. C'est que le changement là, c'est en rapport avec la prière. C'est pour ça que les gens crient et ils ne reçoivent rien. Ça sera révélé dans les tonnerres. Et oui, voyez, remarquez, le mystère, il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Vous le savez, il faut qu'il y ait quelque chose. Branham dit, il crie, ils ne reçoivent pas. Cela s'est remis dans les tonnerres. Il dit, il vient à cheval. Oh, quand il est assis sur un cheval, c'est l'Apocalypse 19. Et l'Apocalypse 19, frère Branham dit, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Là-bas, il n'est plus sauveur de sauveurs. Mais il est seigneur des seigneurs. Amen. Roi des rois. Amen. Il a déjà sauvé. Parce que pour réclamer, il doit être un lion. Amen. L'agneau ne revendique pas ses droits. Amen. L'agneau, c'est un rédempteur. Amen. Mais quand il devient le lion, gloire à Dieu, amen, à ce moment-là, il réclame. Et frère Branham met ça en rapport avec la prière. Il dit, c'est pour cela, il crie, il ne reçoit pas. Parce qu'il a changé de nom. Du rédempteur qu'il était. Il était notre avocat, il devient notre juge. Il devient le lion. Et quand je dois prier, ça doit être en rapport avec le jour qu'il est venu.
alors je peux recevoir de la part de Dieu. C'est ce que frère madame dit. C'est pour cela que cette femme n'a pas reçu. Jusqu'à ce qu'elle ait changé, elle a dit Seigneur. Amen. Frère madame dit oui, il était Seigneur aussi pour tout le monde. Amen. Mais pas fils de David pour elle. Amen. C'est pour cela, frère, ce n'est pas le fait d'avoir le nom de Jésus. Mais c'est le fait de connaître le lieu, de connaître le jour, et après tu as le nom. À ce moment-là, tu peux recevoir de la part de Dieu. Qui peut dire amen à cela? Amen. Maintenant, écoutez. L'apôtre Paul, quand il était en train de parler, il savait ce qu'il disait. Il savait que dans son jour à lui, c'était le jour de la grâce, où il y avait le sang de Dieu. Et autrefois, c'était le sang des boucs et des taureaux. Frère Branham, maintenant, vient, il dit, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les deux testaments, c'est l'ombre de ces jours. Lisons ça. Avant que je puisse dévoiler. Écoutez-le de 1957. 10, 3e mois de 1957. Il dit, dans l'Ancien Testament, il y a des présentations des types des hommes. Tout l'Ancien Testament était, pour ainsi dire, l'ombre du Nouveau Testament. Et tout ce qui était dans les deux testaments est une ombre de ce jour. Amen. Maintenant, Branham est arrivé à dire, l'épouse vit sous ses privilèges. Nous sommes là en train de parler de Paul, des liens de Moïse. Or, Branham dit que tous ces prophètes voulaient voir ce jour. Daniel, dans la fosse au lion, la colonne de feu lui a gardé. Mais quand Dieu lui a ouvert le rideau, qu'il a vu au temps de la fin, Daniel dit, Seigneur, je voudrais vivre en ce temps-là. Amen. Dieu dit à Daniel, repose-toi. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. Et la connaissance augmentera. Amen. C'est que le temps de Daniel, alléluia, amen, Daniel voulait voir mon jour. Mais souvent, vous parlez de Daniel. Paul voulait voir mon jour. Mais vous parlez plus de Paul. Qu'est-ce qui se passe? Branham dit que l'épouse vit sous ses privilèges. Parce qu'elle ne connaît pas dans quel jour qu'elle est en train de vivre. Si vous connaissez le jour, frère, toi-même tu vas te placer dans la Bible. Yes, sir. Frère Branham a dit, tous les croyants dans la Bible n'étaient que les types pour aujourd'hui. Amen. Amen. Samson, Joseph, Jérémie, Élie, Pierre, Timothée, tous ces hommes, ce n'était que des hommes. La réalité, c'est aujourd'hui. C'est pour cela que je suis contre un chantre qui va chanter et qui va me parler de Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse. Quand il arrive à Branham, il met le frein. C'est un rétrograde. Amen. Amen. Parce que celui le prophète de la perfection, c'est Branham. Amen. Maintenant, toi, tu parles des liens de Moïse qui voulait voir Branham. Et tu as honte du nom de Branham. Oh, il est écrit dans l'exposé. Ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques de son ministère. Branham ne s'appelle pas Manasseh 4. Je dois dire frère Branham. Comme les anglophones, Malachi 4, c'est non, frère Branham est dit. Qui peut dire amen à cela? Tous les prophètes, frère, et tous les sages de la Bible voulaient voir ces jours. C'est pour cela, frère. Ah, si vous allez croire ça, croyez, frère. C'est pour cela, frère. Si Paul vient, il va s'asseoir, moi je vais le prêcher. Parce que moi, alléluia, amen, je suis dans le jour où le livre est ouvert. Amen. Et Paul avait dit dans le jour où le livre était fermé. Il ne connaissait même pas ce qui était dans le livre. Et qui me dit la menace là-bas? Je connais mon jour. Qui va dire la menace là? Amen.
Ainsi il est écrit. Amen. Ce prophète aura un ministère plus grand que tous les prophètes. Alors, maintenant si lui il a un ministère plus grand que tous les prophètes, alors les successeurs, ils ont le ministère plus grand que tous les succès des prophètes d'autres. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oh l'épouse, ne vivez pas sous vos privilèges. C'est le jour le plus glorieux. Le jour tant attendu. Daniel voulait le voir. Ézéchiel voulait voir ce jour. Mais Dieu lui a dit, reste tranquille. Ce n'est pas toi. Ton estomac ne va pas supporter ces choses. Toi, reste là. J'ai réservé un homme court, chauve. Il est constitué pour avaler la nuée. Il n'a pas besoin de dormir pour avoir des visions. C'est celui-là que j'ai capté. Il peut vivre dans deux mondes. Il peut se trouver ici, il va de l'autre côté. Qui peut dire amen à cela? Alors quand Daniel a regardé, Dieu, j'aimerais m'asseoir au Branham Tabernacle pour l'écouter. Et toi, reste tranquille. Il y a le pasteur Kambale qui viendra. Et il écoutera ces choses. Et la connaissance pourra augmenter. Alléluia. Je vous dis, vous avez plus de la connaissance que tous les croyants de la Bible. Écoutez, église. Job. Il a posé une question à Dieu. Dieu lui a posé la question. Job, où étais-tu quand je criais? Frère, je vous dis que ce genre de questions, Job était un prophète. Même ce jeune garçon va répondre plus que Job. Job dit, ah, je ne sais pas où j'étais. La même question, Dieu ne peut plus nous la poser. Parce que tout le monde, nous serons des indignes. Job, où étais-tu quand je créais? Et ça, c'est une question difficile. Mais à cette époque-là, Job n'a pas pu. Maintenant, toi, tu parles de Job. Vraiment. Il n'a pas pu. Mais un enfant de votre église de 14 ans, il peut dire, j'étais en toi dans la grande pensée quand tu créais. Pourquoi? Parce que ce jeune garçon, la connaissance a augmenté. Il vit dans un jour qui est plus glorieux. Tu peux dire amen à cela. Oh frère, on a dit que l'épouse vit sous ses privilèges. Pourquoi? Parce qu'elle ne saisit pas son jour. Frère, il y a des gens qui aspirent la Pentecôte. N'aspirent même pas la Pentecôte. L'homme n'est pas tombé à la Pentecôte. L'église est tombée au concile de Nicée. Mais l'homme est tombé dans à l'Éden. Amen. Donc, ce que Malachi 4 vient ramener, c'est l'église qui est tombée à la Pentecôte. Mais l'homme n'est pas tombé à la Pentecôte. L'homme est tombé là-bas dans la jeunesse. Oh, le septième son nous ramène pas à la Pentecôte. Le septième son nous ramène à l'Éden. Amen. Dans la position de fils et filles de Dieu. Amen. Frère Branham dit, là où les Pentecôtes sont faillis, parce qu'ils sont arrêtés au baptême du Saint-Esprit. Or, il faut avancer avec l'adoption. Non. Qu'est-ce que l'adoption? L'adoption, le père disparaît. Il se tient en arrière-plan. Vous ne voyez plus le Père. C'est le Fils qui parle. C'est quand le Fils est dit, alors le Père dit Amen. C'est là où nous nous trouvons maintenant. Où c'est toi qui dois parler. Ce n'est pas Dieu. Qui peut dire Amen à cela? C'est l'homme qui doit parler parce que c'est ça l'adoption. L'adoption ferme la main et dit, le Père en arrière-plan, vous ne le voyez plus. Vous venez chez le Fils. C'est dans cet âge que nous vivons. Frère Branham a dit, on a eu beaucoup de dispensations. Mais nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Amen. De la perfection. Amen.
Et il faut un message de la perfection pour amener l'épouse à la perfection. Ah, je vais déclarer. Le message de la perfection, ce n'est pas la croix. Non, monsieur, parce que l'apôtre Paul dit, les seuls les éléments élémentaires de cette divinité-là, ton don, ce qui est parfait. Oh, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? C'est pour cela, frère, le prophète est arrivé à dire, oh, épouse, ouvrez vos yeux. Regardez, voyez. C'est ça. L'épouse vit sous ses privilèges. Parce qu'elle ne connaît pas son jour. Il y a des gens ici, là. Ah, Jérémie. Ah, Jérémie, vraiment. J'aimerais être comme au temps de Jérémie. Vous lisez la Bible. Ah, les apôtres, les apôtres. C'est pour cela, frère. Aujourd'hui, frère Banam dit, vous ferez des choses qui ne sont même pas écrites ici dans la Bible. Ça, c'est vrai. Yes, sir. D'abord, je vais lire une citation là. Et puis nous allons continuer. Rabbanam est arrivé à dire, nous ne sommes pas dans l'âge de la Pentecôte. Le message de la Pentecôte est déjà parti. Maintenant, c'est le message de l'épouse. Branham dit que ce message-là ne pouvait pas marcher aujourd'hui. Non, monsieur, ça ne marchera pas. Maintenant, c'est l'épouse. Ok. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, paragraphe 324, il dit, la parole qui descendue le jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. Non, monsieur. Celle-là, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci, c'est pour l'épouse. Le départ de l'épouse qui rentre à la maison. La parole de la Pentecôte, c'est notre jour. Ça ne marchera pas aujourd'hui. Celle-là était pour la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la parole de l'épouse. Elle est prête à rentrer à la maison. Frère Branham, il interprète quand l'apôtre Paul a dit, à la septième trompette, nous changerons. C'est que Paul savait la translation, ce n'était pas dans son jour. Mais il dit à la septième trompette. Branham dit la septième trompette, le septième son. C'est que Paul savait la translation. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous changerons. Si on vous presse le message de l'apôtre Paul, il n'y aura pas la translation. Il faut le septième son. Amen. Amen. Le septième son, c'est le message de la translation. Branham est arrivé à dire, sans les sept données, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Amen. Il est encore parti, il a dit, le pouce n'a pas encore reçu son réveil. Son réveil, c'est le sept données. Alors, c'est à nous d'étudier qu'est-ce que le sept données. Voilà. Parce que tout est renfermé là. Il dit, le pouce n'a pas encore reçu son réveil. Il dit, non, 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 non. Son réveil, c'est le sept tonnerre. Et on a dit que le sept tonnerre, le septième saut, qui peut dire amen. Le livre, c'est la même chose. Troisième poule, septième saut, sept tonnerre, le livre. C'est la même chose. Oh, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Amen. Maintenant, écoutez, je vais lire deux citations. Vous allez remarquer, l'homme a l'habitude de croire ce que Dieu a fait dans le passé. Et ce qu'il fera dans le futur. Branham dit que c'est ça ce que le diable fait pour aveugler les gens. Ah, Dieu avait fait ceci, Dieu a fait, ah, Dieu fera ceci. Mais qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Il a prêché un message, reconnaître votre jour et son message. Il faut, vous devrez connaître dans quel jour. Est-ce qu'il est l'agneau? Est-ce qu'il est fils de l'homme? Est-ce qu'il est fils de Dieu? Qui il est aujourd'hui? C'est quel jour que nous vivons? Ce jour aussi, vous vous regardez en arrière, mais eux, ils voulaient voir ce jour. En réalité, s'il y a des gens qui doivent voir Dieu, c'est nous. Amen. S'il y a des gens qui devrait palper Dieu, c'est nous. Amen. Parce que nous sommes dans un jour
où le livre est ouvert. Amen. Où le ciel a lâché Dieu. Les anges qui adoraient au trône, ils ont vu qu'il n'y avait plus personne. Ils ont arrêté de chanter. Calme, silence. Si Dieu était sur le trône, alors les anges devraient être des impolis. Parce qu'eux, ils sont là de chanter. Saint et saint étaient nos armées. Mais quand le septième soit ouvert, c'était un silence. Qui peut dire la menace? Alors Dieu est descendu. Branham de la brochure persévérée, paragraphe 13. Il dit, Dieu, autrefois au-dessus de nous, avec nous, avec son fils, maintenant en nous, pour adorer et être adoré à travers l'homme. Parce que l'homme, c'est l'agent de Dieu. Qui peut dire amen à cela? J'aimerais vous amener à avoir une vision du jour. Saisissez que c'est le jour le plus glorieux. C'est pour cela. Alléluia. Quand frère Branham vient, si moi je regarde le tableau là, c'est blanc. Et frère Branham me dit, non, ma tête là, c'est noir. Je crois ce que Branham dit. Amen. Et je vais plus loin. Quand la Bible dit quelque chose, c'est frère Branham qui m'interprète la Bible. Amen. Allons plus loin. Amen. Le premier leader d'un exode, c'est Moïse. Dieu a permis que Moïse puisse tuer. Et c'est lui qui a écrit la Genèse. Qui peut dire amen à cela? Amen. Le deuxième leader de l'exode, c'est Paul. C'est lui aussi qui a écrit le Nouveau Testament. Dieu a permis qu'il assiste à la mort des tiens. Cela veut dire qu'ils ont tenu le sang. Mais arrivant à frère Branham, il prend l'arme. Il voulait tuer quelqu'un. Dieu n'a pas permis. Oh Dieu, tu as laissé Moïse. Tu as laissé Paul. Mais pourquoi ce nom? Celui-là, c'est lui qui va interpréter Paul et Moïse. Amen. Il ne doit pas toucher le sang. Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. C'est bon. Amen. Lisons le prophète. Absolument. Le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 23. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse, à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous, vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu chacun de vous qui est en Christ. Amen. Amen. C'est une citation. Amen. Ils n'ont pas eu la puissance comme vous. Oh, il a fait descendre le feu du ciel. Branham dit, pas de puissance comme vous. Oh, ils ont traversé la mer rouge. Branham dit, zéro, pas de puissance comme vous. Vous qui êtes en Christ. Le problème, c'est maintenant être en Christ. Yes, sir. Comme il y a peu de gens en Christ, c'est là qui fait que les choses là se manifestent. Parce que Branham dit, tous ceux qui sont en Christ, vous, vous avez plus de puissance. Vous accomplir par rapport à Élie et Moïse. Amen. Ah, ça devrait amener un baptiste de crier. Oh, en effet, ils ont vu d'avance ce jour. Ils l'ont salué. Ils l'ont cru. Et ils attendaient la venue bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans et nous avons peur. Voyez, quel dommage. Eux, ils ont vu ce jour. Ils l'ont salué. Ils l'ont cru. Mais Branham a dit, nous nous vivons en plein dedans et nous avons peur. Quel dommage. C'est là où le prophète est arrivé à dire ceci. L'épouse vit sous ses privilèges. Parce que le privilège que l'épouse a aujourd'hui, aucun croyant de la Bible, ni prophète, n'a rêvé cela. Deuxième citation. Frère Branham dit, la prière des gens de l'Ancien Testament ne montait pas au ciel. Hébreux chapitre 2, deuxième partie, paragraphe 54, de 1957.
Et autour de la terre régnait une atmosphère d'obscurité, de ténèbres, de la mort, de lassitude. Les prières ne pouvaient pas monter parce que l'expiation n'était pas faite. Maintenant, entre ta prière à toi, la prière de Jérémie, quelle est la prière que tu vas écouter? Ça ne montait pas. Pourquoi? C'est Branham qui dit ça. Les prières ne montaient pas parce qu'il n'y avait pas encore l'expiation. Or, aujourd'hui, nous sommes après l'expiation. Oh, qui peut dire amen à cela? Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Moïse, viens ici. Moïse a fait le miracle. Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais Moïse dit, Seigneur, je voudrais voir ta gloire. Dieu dit, viens, tiens-toi sous les roches. Moïse s'est tenu sous les roches. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face. Tu mourras. Dieu lui a mis la main. Et il a vu le dos d'un homme qui est en train de marcher. Or, quand quelqu'un marche, il peut voir le dos. Mais ceux qui sont au dos de la faim, il ne doit pas voir le dos. Moïse a vu le dos de Dieu. Mais au dos de la faim, qui peut dire amen à cela? Ce qui était refusé à Moïse, le sept tonnerres m'ont amené la face de Dieu. Et moi, j'ai vu la face de Dieu. Ses yeux, son nez, sa bouche, ses oreilles. Ce que Moïse n'a pas pu voir. Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. Parce que mon jour à moi est plus glorieux que le jour de Moïse. Amen. Lui, il était sous le son d'un bouquet de taureaux. Mais moi, je suis sous le son de Dieu lui-même. Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. Remarquez, Dieu avait dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais quand Jésus vient, il dit, Père, je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Et je vous la prends. Aucun homme dans le Nouveau Testament avait la gloire que Jésus avait. Mais au temps de la fin, dans l'Apocalypse, quand Jean, le type de l'épouse, il a vu un homme qui avait la gloire de Dieu. Il voit les quatre êtres vivants. Il dit, ça c'est Dieu. Il veut se prosterner pour adorer. L'homme l'a dit, ne le fais pas. Je suis ton frère de service. Adore Dieu. C'était la gloire, alléluia, que Dieu a refusé dans le premier jour, dans le deuxième jour. Mais au temps de la fin, Dieu a pris sa gloire et il a donné à un homme. Frère Branham dit que Jean, celui qu'il voulait adorer, c'était Élie le prophète. Non, je récite la citation. Yes, sir. Élie le prophète. C'est lui qu'il voulait adorer. Qui peut dire amen à cela? Non, Jean a marché avec Jésus. C'est lui qui prenait sa tête, il mettait sur sa poitrine. Il connaissait très bien Jésus. C'est le disciple le plus proche. Qui peut dire amen à cela? Maintenant, quand il arrive dans l'Apocalypse, il voit un homme avec les quatre êtres vivants. Il dit, mais ça, c'est la gloire de Dieu. Mais cet homme-là, non. Je dois l'adorer. Mais quand il voulait adorer, Dieu dit, chut, arrête. Paul n'a pas eu cette gloire. Jamais. Personne n'a reçu l'épée de Dieu. Que ce soit Paul, que ce soit Irénée, que ce soit Martin, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, tous ces hommes-là, personne n'a reçu l'épée. Or, la main de frère Branham, avec l'épée, ça s'ajustait. C'est lui qui reçoit la gloire de Dieu. Oh, qui peut dire amen à cela? Je peux avancer? Frère Branham dit, quand je m'en irai, je vous laisserai cette épée. Amen. Donc Branham dit, partir avec cette épée, alors j'ai cette épée. Amen. Parce que l'épée là, c'est la parole. Amen. Oh, qui peut dire amen à cela? Amen. Ce que Branham a reçu, aucun prophète ne l'a reçu. Yes, sir. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, maudit quiconque qui se confie dans l'homme. Dans le Nouveau Testament, Jésus vient et dit, Dieu, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu envoies. Il a associé l'homme et Dieu. Mais dans le troisième testament, dans le jour le plus glorieux, Dieu vient chez Branham.
il disparaît. Il dit, cette fois-ci, l'écriture d'autrefois, maudit quiconque se confie dans l'homme, je mets ça à part. Ceux qui t'ont cru, ce que tu as aimé, et ce que tu aimes, je te le donne. Ah, ça devient différent. Maudit quiconque se confie dans l'homme. Mais ici, Dieu dit, pas ce que Dieu, non. Ce que toi, tu as aimé. Et ceux qui t'ont aimé, je te le donne. C'est aussi un mystère. Aimer frère Branham. Vraiment. Aimer frère Branham, c'est de croire ce qu'il a dit. Quand tu aimes une personne, tu veux l'écouter. Quand tu l'écoutes parce que tu ne l'aimes pas. C'est pour cela, frère, si la Bible dit quelque chose, Branham dit le contraire, ou il interprète autrement, je crois Branham. Amen. Parce que moi, j'ai aimé Branham. La Bible, c'est le livre noir. Les sceaux, c'est le livre blanc. C'est le sceau qui révèle la Bible. Oh, qui peut dire la cela? Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Frère Branham, autrefois, il amenait sa famille devant la photo d'Offman. Ils venaient, ils adoraient là. Ils adoraient. Mais à l'ouverture du septième sceau, le changement du trône, Frère Branham vient. Il dit, qui vous a dit que c'est ça, c'est Jésus? Et ça, c'est la psychologie d'Offman. Ce n'est même pas Jésus, c'est à peu près. Il y a Salma, il y a Offman, ils sont nombreux. Ça, c'est le dessin. Mais dis amen à cela. Pourquoi? Parce que le message évolue, frère. Amen. Le message, c'est le premier, deuxième poule. Ce n'est pas encore le message. Le message, c'est l'ouverture du septième son. Qui peut dire amen à cela? Et frère Branham est arrivé à dire, beaucoup de mes amis vont m'abandonner. Ils vont dire qu'il veut se faire quelqu'un. C'est là où nous sommes arrivés maintenant. Oh, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? C'est pour cela qu'on prend un âme et dans le jour le plus glorieux. Alors, ceux qui le suivent, c'est pour cela que moi je crois une chose par la grâce de Dieu et par rapport au frère Branham. Si je prends Paul en tant que messager, Tite, Philémon, tous ces hommes-là, pour moi, c'est les hommes. Mmh. Du coup, c'est bon. Mais non, comme Branham, il est dans le jour le plus glorieux qui porte. Alors, ceux qui sont derrière Branham dépassent Tite, Philémon, les Pierre, les Jacques, les intels. Et Moïse. Parce que nous, nous sommes au-delà du Jourdain. Frère Branham me dit, dans le désert, la manne tombait, c'était un jour de la manne. Mais après le traversée du Jourdain, il y a eu une nouvelle circoncision. Amen, amen. La manne s'est arrêtée sur le blé. Et frère Branham dit, oh Seigneur, permets que les gens traversent le Jourdain afin que d'autres viennent adorer. Cela veut dire que ceux qui traversent le Jourdain seront des dieux. Et le Jourdain, c'est au-delà des âges de l'église. Quand vous traversez les âges de l'église, vous traversez le Jourdain. Vous rentrez maintenant dans le pays promis qui est le huitième jour. Alors à ce moment-là, nous ne mangeons pas la manne, on mange le blé. Et quand vous mangez le blé, or le blé, ce sont les hommes mûrs qui ont des dents. Dieu a dit à faire la âme. Ne prêche pas ces choses aux bébés pentecôtistes. Ils ne croiront pas cela. Prends ta maison, parce que ce matin, je prends la maison, je jette dans les eaux profondes pour avoir le poisson argent. Pas le frétin. Le premier, deuxième poule, on aurait des frétins. Mais le troisième poule, frère Branham prêche un message. Les âmes qui sont en prison, le troisième poule se prêche aux âmes. Pendant que je parle à ton âme. Je ne parle pas à ta chair. La chair, c'est le premier poule. Avec la main. L'esprit, c'est le deuxième poule, le discernement. Mais le troisième poule, c'est l'âme. C'est pour ça que nous ne prêchons plus Dieu qui rentre. Non, Christ personnifie. Quand on dit personnifié, ça veut dire Nzambe a commis Moutou. Même son chapeau, même sa
ceinture, quand il embrasse sa femme à la chambre, c'est Dieu. Quand il va à la chasse avec son fusil, c'est Dieu. Un homme a pris son chapeau. Il commençait à se moquer du chapeau de Branham. Quand frère Branham est revenu, il voit le chapeau. Il voit le chapeau. Et le chapeau commençait à lui parler. Il dit, qui a touché son chapeau? Je ne porterai plus ça, brûler ça. Quel jour? Qui peut dire amen à cela? Quel jour? Le jour le plus. Alléluia. Maintenant, tous ceux qui sont en Christ. Christ, Christ, ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas seulement Branham. Tous ceux qui sont en Christ, ils l'accompagnent. C'est pour ça, frère, c'est dangereux. Vous croyez les grands mystères, mais il n'y a pas la puissance. C'est grave. En réalité, ceux qui devaient faire les grands miracles, c'est ceux qui croient le septième son. Yes, Branham appelle le septième son même la dynamique. Amen. Ça veut dire la puissance de Dieu. Amen. Qui peut dire dans le cela? Frère Branham dit que l'oiseau doit voler avec les deux ailes. Avec la puissance et la parole. La dynamique et la mécanique. Oh non, c'est ça, c'est pour les pentecôtistes. Oh non, ça c'est pour non. L'épouse à deux. Qui peut dire dans le cela? Jusqu'à l'ouverture de la parole. C'est là que frère Branham a créé, frère. Et frère Branham nous a dit, nous, noir sur blanc. Ce que Dieu a fait avec moi potentiellement dans le troisième point, pour le fait de la plénitude. Branham ne nous a jamais dit que le premier pour, deuxième pour, on va faire ça. Zéro. Parce que le premier pour, deuxième pour, c'est lui seul. Il pouvait rentrer dans une réunion de la campagne d'évangélisation. Il ne prie pas. Il rentre seulement dans la réunion. Les chaises roulantes, les aveugles voient. Sans imposition de main, il sort, les gens sont guéris. Ça, c'était juste le premier pôle. Deuxième pôle, il commençait à dire, Branham dit que les gens devraient seulement suivre Moïse. Ils ne devaient pas faire ce que Moïse avait fait. Mais quand on arrive au troisième pôle, frère Branham est arrivé à prêcher un message à celui qui est en vous. À ce moment-là, maintenant, l'épouse doit vous manifester le troisième pôle. Il dit, ce que Dieu a fait avec moi. Parce que premier, deuxième pôle, c'est le deuxième dessin. Mais le troisième dessin, c'est le rétablissement du royaume. On repart à l'Éden. Et c'est le but du septième son. Alors à ce moment-là, je ne prêche plus aux hommes, je prêche aux dieux. Dieu parle aux dieux. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de ce que Dieu a accompli dans cet âge, c'est pour agiter. Mais quand on descend à vous, vous commencez à freiner. Parce que peu de gens sont en Christ. Dieu, alléluia. Sœur, tu es plus que Marie de Magdala. Amen. Tu es plus que Suzanne. Amen. De la Bible. Amen. Tu es plus que Jeanne d'Arc. Amen. Amen. Frère, tu es plus que André. Amen. Amen. Plus que Moïse. Amen. Plus que Élie. Amen. Plus que Daniel. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Ce que tu crois, c'est ce qui est arrivé. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Lisons les prophètes. Amen. Le sceau de Pâques. Amen. Écoutez, paragraphe 220. Écoutez ce que ça veut dire. Amen. Moi, je me mets là. Je ne parlerai pas de Pierre. De moi-même aussi. Je dois être là dedans. Donc, Branham, je suis là. Branham est là. Toi, tu es là. Amen. Écoutez. Oh, chrétiens, quelle possibilité nous avons? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que vous croyez en Branham? Amen. Ça devrait mener un baptiste de courir et de crier. Oh chrétien, quelle possibilité nous avons? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Nous avons des possibilités que Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eues. Les possibilités que nous avons maintenant. Élie,
Enoch, les possibilités que nous avons, ils n'ont même pas rêvé à voir ça. Frère Branham est arrivé à dire, si quand Dieu faisait son programme, et que j'étais là, il ne prendrait que son William Branham. Dans quel âge veux-tu partir prêcher sur la terre? Il y a d'autres prédicateurs qui étaient venus dire quand Jésus marchait à Galilée. D'autres vont dire non, quand Moïse était là, il a traversé la mer Rouge. Le frère Branham me dit si j'étais là et que Dieu me posait la question, il dit je dirai à Dieu que je prêcherai dans ce jour. Amen. Voilà Dieu. Ce sont des citations. Dieu, Branham dit que Dieu me montre son programme. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse. Bon, veux-tu aller prêcher dans quel âge, dans quelle époque, dans quel jour? Branham dit, je demanderai, je dirai à Dieu que je puisse prêcher dans cet âge. Or, nombreux de gens regrettent de ne pas avoir marché quand le Seigneur marchait en Galilée. Vous voyez comment les gens rétrogradent? C'est comme ça. Ils pensent, ah, quand il était là, ah, quand il marchait, oh, il changeait l'envers, il appelait, ah, Paul, de son nombre guérissait les malades, ah, l'apôtre Pierre, et. Mais tous ces hommes-là, qui peut dire amen à cela? Tous ces hommes-là n'étaient que dans l'ombre. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Nous sommes comme cette femme. Probablement, nous ne parlons pas. Nous sommes comme cette femme qu'on a envoyé des billets. Son fils lui envoyait beaucoup d'argent, mais comme il ne connaissait pas l'importance de cet argent-là, il le gardait, il est tombé malade. Il ne savait pas qu'avec cet argent, il pouvait se soigner, il pouvait tout faire. Mais il y a eu un homme de l'école de dimanche qui est passé là. Qui lui a dit, madame! Tu n'as pas, oui, j'ai un fils qui est loin, il m'envoie des photos, montre les photos. Quand il fait sortir comme ça, maman, tu es riche. C'est ce qui se passe avec les gens dans le message. C'est tout. Vraiment. Le livre que vous avez là, le livre là, c'est le livre que Satan n'a pas touché. Les mains sales de Satan n'ont pas pu toucher ce livre. Mais moi, je tiens ce livre. Parce que le prophète, alléluia, le prophète dit ceci, c'est que Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Au temps de la fin, Dieu prend le livre. Il remet à l'homme. Il ne dit pas seulement de tenir le livre, mais de manger. Cela veut dire, deviens le livre. Pas seulement tenir. On peut te voler le livre, mais mange le livre. C'est-à-dire, deviens le message. Deviens la parole. Tu es le rouleau. Oh, qui peut dire ta Amen. Est-ce que ça va? Amen. Bien, l'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 32. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ce temps des derniers événements de l'histoire de ce monde. Je ne sais pas. Mais si j'avais eu mot à dire avant la fondation du monde, que Dieu me présentait tout son programme en me disant, je veux que tu prêches. Maintenant, dans quel âge désirais-tu aller sur terre pour prêcher? J'aurais choisi cet âge ici, car je pense que c'est l'âge d'or. Amen. Deuxième citation. Shalom de 12, premier mois 64, paragraphe 88. Voici l'heure. Si je pouvais être dans le passé, là, avant le jour où le monde a été créé, et que j'étais, et que je jetais un coup d'œil pour voir la chose dans l'ensemble, et que le Père m'ait demandé, dans quel jour voudrez-vous vivre? Je dirais aujourd'hui. Aujourd'hui même. Voici l'heure. C'est la plus glorieuse heure que l'Église ait jamais connue. Donc si Dieu avait montré le programme à Frère Branham, Frère Branham dit que je choisirai ce jour. Parce que c'est le jour le plus glorieux que l'Église n'ait jamais connu. Depuis que l'Église a commencé, de l'ancien, nouveau, jusqu'à nos jours, ce jour-ci, c'est le jour le plus glorieux. Frère Branham est arrivé à dire, une seule de mes réunions
a englouti tous les 33 ans et demi du Seigneur. Frère Branham dit que Jésus a eu plus de succès dans mon ministère qu'il l'a eu quand il marchait en Galilée. Donc quand on chante plein succès à Jésus, ce n'est pas à l'est mais c'est à l'ouest. Parce qu'il a eu plus de succès maintenant là que là-bas. C'est pas un homme qui dit ça, c'est Frère Branham lui-même. Que Jésus a eu plus de succès aujourd'hui. Qu'il a fait des choses plus grandes aujourd'hui. Il dit là-bas, il a multiplié, mais au temps de la fin, il a créé. Or, dans la Genèse, ce n'est pas la multiplication, c'est la création. Et le retour de la Genèse, il faut un homme qui est né d'un père et d'une mère. Mais lui, il peut parler et les choses s'accomplissent. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour le plus glorieux. On a dit à Daniel, scelle ce qu'on dit les sept tonnerres. On a dit à Jean, scelle ce qu'eux ne pouvaient rien faire. Mais la Bible dit à la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Frère Branham interprète, qu'est-ce qu'est le mystère? Il dit pas les, le. Le mystère veut dire Dieu dans la chair humaine. Amen. Il prend l'interprétation de Paul. Paul avait dit le mystère de la pété grand, Dieu s'est fait chair. Donc quand on dit à la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, le mystère, cela veut dire Dieu dans la chair humaine. Amen. Donc les sept tonnerres, c'est Dieu dans la chair humaine. Amen. Parce que c'est ça le mystère qui devrait s'accomplir au temps de la fin. Qui peut dire amen à cela? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez, Branham dit, nous ne sommes pas dans l'art de cheval. Ça, c'est l'art de Luther. Ni de la voiture. L'art de l'avion, c'est l'art de la Pentecôte. L'avion peut voler et ça va encore descendre. Mais nous sommes dans l'art du fusée. Le fusée, c'est le septième saut. Quand ça s'explose, ça va exploser encore, exploser encore, exploser encore, exploser encore, jusqu'à l'éternité. C'est pour cela, Branham, nous partons de révélation en révélation, de puissance en puissance, parce que c'est le septième son. Qui peut dire amen à cela? Dans la pyramide, ou si on prend le zodiaque, nous sommes dans le jour du lion. La première Bible, le zodiaque, c'est le lion. Avant le lion, il y a le cancer. Mais quand on va dans la pyramide, nous sommes dans la chambre du roi. Et avant de rentrer dans la chambre du roi, il y a un homme qui se tient là, qui va vous faire introduire dans la chambre du roi. Alléluia. Et l'homme là, c'est William Branham. Amen. Et quand vous rentrez dans la chambre du roi, alors il y a les informations de la vie du roi. Donc toute sa vie qu'il a vécue sur la terre, les informations de la chambre du roi. Pour connaître ce qui était le roi, il faut rendre la chambre du roi. C'est pour cela, pour connaître Dieu, il faut rendre le septième saut. Vous connaîtrez qui est Dieu, quelle est sa nature, comment il vit. Parce que mon ami, à l'ouverture du septième saut, vous connaîtrez qui est Dieu, comment il vit et quelle est sa nature. Qui peut dire amen à cela? Et dans la Bible, nous sommes dans le jour et l'heure. Voilà les trois Bibles. La pyramide, la Bible et les zodiaques. Mais dans la Bible, nous sommes dans le jour et l'heure. C'est ce jour que Jésus avait posé la question. Il avait dit, on lui a dit, quand est-ce que tu viendras? Il dit, moi, je ne sais pas. Ni moi, ni les anges, seul le Père. C'est dans le jour que nous vivons. Et Branham dit, qu'est-ce que c'était? C'était le septième sur les sept tonnerres. Qui connaissait ça? Seul le Père. Amen. Jésus n'a pas connu ça. Branham est arrivé à dire que Jésus a prêché tous les six sauts. Mais le septième saut, il n'a pas touché. Parce que le septième saut était réservé à William Branham. Amen. Et quand William Branham quitte la scène, alors nous restons et nous continuons dans ce jour. Nous sommes toujours influencés par ce jour. Voilà. Ce n'est pas un autre jour. C'est le même jour qui a influencé William Branham. Alors nous, toi et moi qui prêche, il y a trois choses. Vivre la parole. Ça c'est un. Vivre la parole. Deuxièmement, manifester Dieu.
Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. Troisièmement, être en communion avec Dieu. Amen. C'est ça que Branham nous a parlé. Parce que tant de frère Branham, il est parti. Le message reste. Branham dit, quand même le messager quitte, le messager reste toujours messager de cette tâche. Maintenant, ceux qui restent avec le message du messager, c'est à eux maintenant de manifester la chose. Amen. Mais c'est le temps que nous vivons. Amen. Je prends l'exemple. Le premier exode, je vais terminer par là. Le premier exode, il y a eu Moïse. Moïse était là. Après Moïse, il y a eu Josué. Et Josué a laissé un livre des actes. Josué 1, Josué 2, Josué 6. Parce que Josué, c'était le successeur de Moïse. Les Éphésiens 4. Chaque exode, il y a un leader et il y a un livre des actes. Amen. Le deuxième exode, nous voyons Jésus. Quand Jésus est venu, après son départ, nous avons le livre des actes des apôtres. Maintenant, le troisième exode, ça, le leader, c'est William Branham. Amen. Quand lui aussi, il quitte, vous qui restez, alors il faut aussi qu'il y ait un livre des actes. Amen. Parce que la même vie qui était à l'intérieur vient en vous. Et tous les leaders de l'exode, c'est un gros mystère. Le premier leader n'a pas de tombe. Moïse n'a pas de tombe. Quand il est mort, Michaël et Satan se sont disputés le corps de Moïse. Dieu a pris le corps de Moïse, n'a pas de tombe. Le deuxième leader, Jésus, la tombe ouverte. Dieu prend le leader. Or, quand Branham est mort, c'est là que je vais terminer. Quand Branham est mort, le bien-aimé frère Franck, le même jour, il fait le songe. Il voit Branham dans la nuit qui rentrait au ciel. Il dit, Branham, qu'est-ce que tu fais de la nuit? Tu n'es pas le fils de l'homme. Le lendemain, on lui appelle, Branham est mort. La Bible dit que Dieu ne traite pas avec les morts. C'est ce que la Bible dit. Mais le jour que Branham est mort, la colonne de feu est venue se poser sur le sol et est venue faire quoi? Parce qu'en réalité, Dieu ne traite pas avec les morts. Mais dès qu'on a enterré Branham, on a remblé la terre, on a mis l'aigle, la colonne de feu est venue se poser sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit, dans la Genèse, quand Dieu forma Adam, les 16 éléments d'Adam, c'est la colonne de feu qui roucoula sur la terre. Quand la colonne de feu roucoula sur la terre, alors les 16 éléments d'Adam se forment. Je vais lire Frère Branham. Et ça m'a rappelé quelque chose. Comment la même colonne de feu qui roucoula là-bas peut venir à la tombe d'un homme? Troisième. Et c'est venu faire quoi? Troisième. Et la colonne de feu pouvait aussi roucouler pour former les 16 éléments. Amen. C'est pour cela que nous sommes dans un jour glorieux. Oh, qui peut dire amen à cela? Amen. Oh, l'épouse, vivez dans vos privilèges. Amen. L'épouse, c'est votre jour. Amen. J'ai lu Frère Branham, je n'ai rien inventé. J'ai lu la dernière citation, je vais terminer par là. J'ai lu Frère Branham. Frère Branham dit le message du matin, la création. Le message du midi, créa son fils à midi. Le message du soir doit produire les résultats du soir. Branham dit que le message du midi a formé les dénominations. Et autour du soir, il y a un autre message. Matin, création, la colonne de feu. Midi, la colonne de feu crée son fils. Autour du soir, la même colonne de feu vient créer maintenant l'épouse. Voilà les trois testaments, les trois exodes. Mais nous ne sommes pas à midi. C'est à midi qu'il cria son fils. Nous sommes au temps du soir. Je lis deux citations, je vais terminer par là. Lisons cela. Dans l'imitation du christianisme. Non, prenons d'abord rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Comme un homme dit. La parole, par exemple, 77. La parole, le message du soir doit produire les résultats du soir. Le message du soir doit semer les semences du soir, pas des semences du midi. Des semences du soir. Et c'est vrai, le spectacle du midi, ces semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir et il révélera les résultats du soir. Le message du soir, le temps de Jésus, le message du midi, a fait apparaître des résultats du midi.
Le message du commencement a fait apparaître les résultats du commencement. Cela a produit la création. Il a créé son fils à son image à midi. Vers le soir, il crée son épouse. Voyez-vous, par quoi? Sa parole. Comment a-t-il formé la terre? Comment l'a-t-il créé? Par sa parole. Amen. Qui était son fils? La parole. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair. Amen. Et elle habita. Amen. Comment prendra-t-il son épouse? Par la parole. Amen. Vous voyez, trois jours. Amen. Matin, midi, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ou matin, midi, soir. Donc le message du midi, comme Paul l'a dit, laissant les éléments élémentaires de la parole de Christ. Amen. Et ici, Branham vient d'amener la pointe sur le lit. Il dit ceci, le message du midi est devenu une dénomination. Mais il faut le message du soir. C'est pour cela que frère Branham est arrivé à dire, alléluia, Hébreux 13 et 8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, à l'exception de son corps physique. Yes, sir. Amen. Amen. Donc quand on parle de Hébreux 13, 8, ce n'est pas le corps de Galilée, mais c'est la colonne de feu qui fait l'exode. Oh, qui peut dire la même chose? Frère Branham dit de la Genèse 18, l'homme qui visita Abraham, ce n'était pas Jésus. Parce qu'il n'était pas encore né. Mais l'homme là, c'était Dieu. Et quand vous continuez, le même Dieu a promis, au temps du soir, cela veut dire que nous ne croyons pas Dieu par la forme physique. Nous reconnaissons Dieu par la parole. Frère Branham dit par la vie. Le prophète dit n'importe quel hypocrite peut avoir la forme d'Offman et vous dire mais voici avec des marques de clous. Branham dit quatre fois non, 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 je ne le croirai pas. Parce que Dieu est la parole. Amen. Oh, qui peut dire amen à cela? Limitation du christianisme. Paragraphe 169. Il dit. Il a, pour ainsi dire, enveloppé la terre de ses grands ailes. Et il s'est mis à exprimer son amour. Ou à couvert, à roucouler autour de la terre. Je vois le calcium et la potasse se fusionner. Et un petit lys de Pâques se redresse. Le Saint-Esprit a couvert la terre pour l'en faire sortir. Et il a continué à couvert. Et alors qu'il roucoulait et qu'il couvait, je vois se dresser des arbres et des oiseaux commencent à s'envoler de la terre. Des animaux commencent à marcher. Et puis, il a continué à roucouler et un homme est apparu du nom d'Adam. Donc, pour former l'homme dans la Genèse, la colonne de feu est devenue roucouler sur la terre. Quand le prophète quitte la terre, la Bible dit selon Lévitique que Dieu ne traite pas avec les morts. Moi, je me suis posé la question. Toi, Dieu, tu ne traites pas avec les morts. Branham est mort. Toi, la colonne de feu, tu es venu faire quoi là, sur la terre? Aucun leader qui peut dire amen à cela. Amen. Frère Branham me dit, Paul a fiancé. L'Ancien Testament, c'est la fréquentation. Paul dit, je vous ai fiancé un seul époux. Et quand on vient le jour le plus glorieux, c'est le mariage. Amen. Maintenant, c'est le mariage. Amen. Et quand il y a un mariage, alors il y a bien commun. Amen. Cela veut dire ce qui appartient à l'homme appartient. Amen. Amen. Nous sommes au temps du mariage. Amen. Et notre mariage, ce n'est pas bien séparé. Amen. C'est le bien commun. Amen. Pourquoi? Dieu a dit à frère Branham, son cheval est rentré au ciel. Amen. C'est le bien commun. Vraiment. Le ciel de Dieu, c'est le ciel de Branham. Amen. Ton ciel aussi. Ton ciel aussi. Amen. Parce que Branham dit qu'on a dépassé l'âge de fiançailles. Amen. Il dit que le fils de l'homme descendra et s'incarnera pour le mariage. Oh. Et c'est le temps du mariage. Amen. Et remarquez, quand il y a un mariage, quand l'homme rentre, on n'acclame pas trop. Vraiment. Mais quand la femme rentre, il y a des sifflets. Amen. C'est pour cela. Alléluia. Amen. Christ, c'est le mari. Amen. Tu peux dire amen à cela. Amen. William Branham, c'est la femme. Amen. Et c'est le mariage. Amen. Or, pour se marier, il faut avoir la robe de
vêtement du mariage. Et la robe du mariage, c'est les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Et ça a commencé par la foi jusqu'à l'affection fraternelle. Alors la personne a la robe. Et Christ lui-même s'incarne sur le mariage. Et Branham dit, nous sommes dans l'art du mariage, du bien commun.